Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 2 au 15 janvier 2023 pour nos amis les balances. Donc bienvenue à vous, balance, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Ben voilà, bienvenue à vous. Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs voeux, d'accord? Surtout la santé, bien évidemment, d'accord? Et puis après, pour faire global, je vous souhaite de réussir tout ce que vous avez envie d'entreprendre, bien évidemment. D'accord? Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo, si vous souhaitez aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, enfin lunaire, pour avoir un peu plus de précision, d'accord? Si vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis, on va commencer. Voilà. Alors, on est parti avec le petit oracle des guidances étoilées. Mes amis, les balances, pour cette première période de janvier. On est parti. Alors, nous avons n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers et contre tous. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Donc, n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. J'aime bien ce message parce que je trouve qu'il est important. Hein, n'oublie jamais d'où tu viens et d'où, enfin, d'où on vient et qui on est. C'est vrai que, hein, parfois, il y en a, ils ont tendance un peu à oublier d'où ils viennent. Donc là, hein, on vous dit d'être humble, toujours envers et contre tous. Ça fait un peu pouvoir Avengers, ça. Sois humble, toujours envers et contre tout. Bon, allez. Alors, on va prendre les portes de l'intuition et on va aller faire le tirage pour la balance. Allez, pour cette première période de janvier du 2 au 15. Qu'avons-nous? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Eh oui, n'oublie jamais hein, d'où vous venez, hein, n'oublie jamais vos bases, d'accord? Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris, les expériences, les leçons de vie, d'accord? Par quoi vous êtes passé, la transmutation. On se transforme. On va transmuter, d'accord? Là, on a une belle guérison pour les balances. On a une belle guérison. C'est pour ça qu'on vous dit n'oublie jamais, d'accord? Ah ben regardez. Bon, on est bien confirmé, hein, la fin du passé. Donc, je viens de vous dire, c'est une belle guérison. Et j'allais vous dire, justement, n'oubliez jamais votre passé, j'allais dire. Voilà, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On a des expériences, on a des épreuves, elles sont là pour nous faire grandir et évoluer. D'accord? À partir du moment où on en prend conscience et qu'on en tire des leçons positives, c'est là qu'on évolue et que on va vers la meilleure version de soi-même. D'accord? Donc là, on accueille, on accepte, on pardonne. D'accord? Ça fait partie de vous, c'est votre histoire. D'accord? Ce passé, il sera là. Mais là, on vous dit aujourd'hui de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. D'accord? Donc maintenant, il est temps, les balances, d'accepter, de passer à autre chose. D'accord? Donc là, on guérit les dernières petites blessures. Hein, il se peut que pour certains, il y en ait encore. Alors, nous avons le pont du futur envisagé, le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Travaillez la loi de l'attraction. D'accord? Regardez ce pont du futur. D'accord? Voyez, il va vraiment vous emmener loin. D'accord? Donc, vous voyez, les nuages, ils sont dessous maintenant. Les nuages, c'est passé. OK? C'était avant. C'est le passé. Donc, maintenant, on lâche le passé. On guérit, on transmute, on se transforme, on évolue. On se sert de ces leçons de vie pour aller de l'avant. OK? Et maintenant, on pose les bases du futur. Pourquoi je continue à battre là? Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Je vais en chercher une autre. Je sais pas, c'était pas du tout prévu. J'étais censée m'arrêter. Mais je vais prendre. Alors nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que la vie, que votre vie change. Voyez, acceptez de lâcher le passé, les balances, d'accord? Sinon, là, vous allez être bloqué. Là, vous allez être vraiment bloqué. D'accord? Donc, on maîtrise ses pensées. Attendez, il y en avait une autre, je crois. Oui. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ah ouais, le miroir. Aujourd'hui, vous êtes face à vous-même.
Vous êtes face à vous-même là aujourd'hui, en ce début d'année. Là, vous faites le point, vous prenez conscience que il est temps de changer les choses, d'accord? En dos de deck, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, d'accord? Donc n'oubliez pas que quand il arrive des bonnes nouvelles aux autres et que vous leur envoyez de très belles ondes, hein, vous savez, ça fait un peu effet boomerang, la carte du miroir, de l'oracle des miroirs, l'effet boomerang. Mais vous voyez, vous semez de l'amour, vous récolterez de l'amour. Vous semez de l'agressivité, vous récolterez de l'agressivité. D'accord? Hein, c'est ça, vous récoltez ce que vous semez. Donc, en vous réjouissant du bonheur des autres, vous allez récolter à vous une bonne nouvelle. Mais vous, votre travail à vous, c'est voilà, c'est maîtriser, lâcher ce passé. D'accord? Lâchez ce passé, parce qu'aujourd'hui, on vous demande de maîtriser le présent pour pouvoir vraiment vous préparer à votre avenir, d'accord? Parce que là, on a bien le pont du futur, et on vous dit, il aura tendance à devenir réalité à partir du moment où vous allez créer, d'accord? Créer ce que vous souhaitez, ok? Créer vos projets, créer votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la transmutation? Du coup, ça nous fait 5 cartes, là. Dis donc, vous êtes gâtés, les balances. Vous êtes le seul signe pour le moment. Voyez, la transmutation à l'abondance, c'est le moment de compter sur votre guérisseuse ou guérisseuse antérieure. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir vous-même de guérir. Ce pouvoir, on l'a tous, ce pouvoir de guérir en soi. Du coup, vous n'allez pas trop voir la carte. Hein, on l'a tous, ce pouvoir. Et là, c'est vraiment, vous allez prendre conscience que le fait de changer vos pensées, le fait de changer vos attitudes, vos paroles aussi, que ça soit à autrui ou à votre égard, va vous permettre justement d'aller vers une évolution, mais grandiose, j'ai envie de dire, d'accord? Avec cette carte de l'abondance, voilà, en lâchant ce passé, vous tournez vraiment vers un très bel avenir, là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le passé? Eh ouais, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tournez la page, c'est un cadeau pour vous aujourd'hui, d'accord? Donc, vous posez plus cette question après avoir regardé la vidéo. Sur le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Eh ouais, oh, magnifique. Et encore, hein, magnifique, on a la distance, hein? Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité, d'accord? Imprégnez cette distance, vibrez cette distance avec le passé, faites comme si, même si au fond de vous, vous saviez encore que vous y pensez, plus ou moins, ou peu importe, d'accord? Mais faites comme si vous avez mis une distance, faites comme si vous y pensez plus. D'accord? Cette distance, elle est là. On nous confirme bien qu'il faut la mettre. D'accord? C'est vraiment un cadeau. Et en plus, regardez, on a quand même les miroirs magiques. Donc, je peux pas vous dire mieux, les balances. Lâchez ce passé. Lâchez ce passé. D'accord? Parce que là, la suite, ça va être magnifique. D'accord? Ça va être vraiment magnifique, la suite. Donc, vraiment, voilà, arrêtez de vous poser des questions. D'accord? On vous dit pas, on vous dit, n'oubliez jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant, d'accord? Vous voyez, on a quand même tendre la main, mais là, voilà. Est-ce qu'il y aurait-il pas un cadeau? On vous demande de tendre la main. Ouais, mais j'ai envie de dire de tendre la main pour vous. Parce que là, ni ceux qui t'ont tendu la main, ok, d'accord, les autres vous ont tendu la main, mais là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous tendez la main. D'accord? Vous vous tendez cette main, vous vous tendez cette aide. En plus, avec cette carte de la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseuse intérieure. Donc, c'est vous-même, c'est de vous-même qu'on parle. D'accord? C'est bien de vous-même. Donc, pour moi, c'est vous qui allez vous tendre la main. C'est vous qui allez vous faire ce cadeau en prenant conscience et en vous disant que maintenant, voilà, stop, le passé, c'est le passé. Ok, ça fait partie de ma vie. Très bien, c'est mon histoire. D'accord? Aujourd'hui, je suis la personne que je suis. D'accord? Et je décide de m'apporter cet amour, je décide de changer de vie, je décide d'évoluer, d'accord? Je décide vraiment de réaliser mes rêves, ok? C'est pour ça qu'on a la carte de la maîtrise, d'accord? Vous, pour moi, vous maîtrisez là, vous allez maîtriser du feu de Dieu. Et on a la fatalité, et oui, la perte, et en distance, fatalité, bam, on coupe, on se pose plus de questions là, c'est vraiment on coupe, d'accord? Là, avec la carte de la fatalité, c'est voilà, arrêtez de vous poser des questions, réfléchissez plus. Parce qu'à force de rester dans le mental et de trop réfléchir, oui, ok, aujourd'hui, ça vous montre où vous en êtes, mais c'est pour ça que vous pouvez faire le point, d'accord? Pour moi, là, vous, ça y est,
Ça y est, vous faites tourner la roue. D'accord? Qu'est-ce que l'on a là? Et on a l'homme. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, soit ça vous concerne vous si vous êtes un homme, d'accord? En tout cas, une personne qui a une énergie masculine, parce que vous pouvez être très bien une femme avec une énergie masculine, d'accord? Ou peu importe, ou deux hommes, ou, enfin, peu importe, vous vous adaptez à vous. Hein, mais voilà, pour moi, là, donc, soit c'est vous qui devez mettre de la distance, d'accord, avec votre passé, soit c'est vous qui... Enfin, mince, je me suis perdue. Mettre de la distance par rapport à un homme, d'accord, peu importe, hein, ça peut être votre père, votre frère, votre compagnon, votre ex, votre enfant, peu importe, d'accord, c'est quelqu'un, une énergie masculine, pour moi, là, il y a vraiment, il faut lâcher, là, il faut lâcher, là, là, il faut lâcher, pour moi, cette personne d'énergie masculine, hein, c'est un cadeau, cette personne qui fait partie de votre passé, là, une personne que je pense que vous avez déjà perdue, hein. Cette personne n'est déjà plus dans votre vie, ou en tout cas du moins très peu, hein. La distance est déjà mise, mais je pense que c'est plus vous dans votre cœur ou dans votre tête que ça bloque, d'accord, que ça bloque. Est-ce qu'on a de deck les accusations? Ouais, les accusations. Il y a eu, je pense, des trahisons, des choses qui n'ont pas été claires entre vous. Il y a des choses là qui n'ont pas été claires, mais là on vous demande de lâcher. Pour moi, là, le message, c'est, voilà, lâcher. Lâcher cette énergie masculine, hein, qui, pour moi, avec la carte de la fatalité en plus, là, pour moi, cette énergie masculine vous tire vers le bas, d'accord? Alors, certes, ça fait partie de votre passé, ça fait partie de votre vécu. Voilà, très bien. On accueille, d'accord? On accueille cette peine, on accueille cette tristesse, cette colère même également, d'accord? Voilà, pas d'inquiétude. On laisse accueillir ses émotions, même les négatives. D'accord? Pour pouvoir justement faire quoi? Ben les guérir et les transmuter en énergie positive. Ok? Allez, on va aller voir un message de ton cœur. On va aller voir le message que ton cœur a te conseillé. Très chère Balance. Mais bon, pas de doute, hein. On lâche. On lâche. Il y a l'abondance qui arrive derrière. Hein. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Pitié, cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Ah, voyez, on nous reparle encore d'une main tendue. Hein. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Alors, pour certains... Ah. Ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un, est-ce que cet homme-là, enfin cette énergie masculine, on va dire plutôt ça, cette énergie masculine viendrait pas vous demander de l'aide? Mais c'est une personne que vous avez aidée dans le passé, d'accord? Et alors, ah, ok, une personne que vous avez aidée dans le passé, donc ça peut être quelqu'un, même dans le sentimental, hein, enfin quelqu'un que vous avez aidé dans le passé, et avec qui aujourd'hui vous avez coupé les ponts. D'accord? Peu importe pourquoi, hein, que ça soit trahison ou comme ça, peu importe. Mais j'ai le sentiment que là, ouais. C'est comme si cette personne... Alors, revenir, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide, pour moi, les balances. Et là, je vous conseille de le faire. Il y a quelqu'un qui va venir vous demander de l'aide. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Alors, c'est marrant parce que là, on vous dit, n'oublie jamais le chemin parcouru, ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Et là, on vous dit, accepte la compassion qui t'est offerte. Alors, il y a un échange. Oui, il y a un échange. C'est fort possible qu'il y ait un échange de service, là. D'accord? C'est fort possible qu'il y ait un échange de service. En tout cas, il est question, là, pour moi, déjà de deux personnes. Hein, parce que là, on a deux petites libellules, on a l'homme qui est là, on a quand même deux personnages qui sont là. Pour moi, il est question de deux personnes ou de deux situations, d'accord? Que vous n'arrivez pas à lâcher, il y a ce passé là qui bloque là. Il y a ce passé qui bloque où il y a quelque chose, il y a une énergie. Avec cette personne, il y a quelque chose qui bloque, il y a une énergie qui bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, à vous vraiment d'aller voir, pour moi c'est une émotion, pour moi c'est une émotion. Parce qu'on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, vous avez cette force, hein, de guérir. Vous avez la force de pardonner. Hein, de pardonner. Un pardon sur le passé. C'est fort possible pour certaines balances. En tout cas, voilà. Voilà, cette distance,
va vous permettre de justement aller de l'avant. Ok, on a la carte de l'abondance, ça peut être sur le plan financier également, d'accord? Ça peut être sur le plan professionnel, ok? La fin du passé, si vous aviez passé peut-être des expériences un peu tumultueuses au sein du professionnel, en tout cas, là, on a quelque chose qui arrive qui va vous apporter l'abondance au point de vue financier. Voilà, mais bon. À vous de faire le travail, tournez la page sur ce passé, tournez la page sur cette émotion, sur cette guérison que vous êtes en train de faire. Pour moi, vous êtes en train de guérir, là. De guérir par rapport à cette situation qui concerne une énergie masculine avec qui il y a eu, voyez, ouais, on a les fécondités. Ouais, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose de beau qui démarre, ouais, les balances. À voir, il faudra voir dans la deuxième partie, d'accord? On ira voir dans la deuxième partie. Attendez, parce que j'avais une autre carte qui s'était retournée, j'avais pas vu. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il est temps de transmettre. Il attend à te transmettre. Voyez? J'avais pas vu, elle s'était retournée. L'épuisement, ouais, la fatigue, hein, pour moi, c'est cette histoire-là ou cette situation ou cette personne. Ça vous a pris beaucoup d'énergie, hein. Parce que là, on vous dit de tourner la page du passé quand même. Et là, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur. Donc pour moi, il y a une blessure là qui se guérit. D'accord? Une blessure qui vous a beaucoup épuisé moralement et physiquement. D'accord? Mais là, voilà, vous êtes sur le point de guérir et de transmuter justement cette énergie pour aller vraiment vers une meilleure vie, en tout cas, en ce qui vous concerne, les balances. Voili, voilou, bah écoutez, on va s'arrêter là, d'accord? Je vais vous souhaiter un très bon de bois, un très bon mois, un, deux, trois, pardon. Un très bon début de mois de janvier. On va y arriver, enfin, je vais y arriver. Encore mes meilleurs voeux, je vous souhaite le meilleur pour cette année, pour votre avenir, pour toutes les autres années, surtout la santé, hein, bien évidemment. Je vous fais de gros bisous, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette chaîne. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et on se retrouve à très vite. Bye bye.